La prochaine présentation est vraiment super cool, je pense, et j'ai vraiment hâte de la regarder et d'avoir des détails sur ce que c'est. La présentation, c'est sur un projet de recherche qui laisse les utilisateurs voir et contrôler ce qui est fait avec leurs données personnelles. En tout cas, c'est ce que moi j'ai compris dans la description de la présentation. Et donc, j'ai vraiment hâte d'en savoir plus sur ce projet, pas morte, qui va nous parler de comment la plateforme a été conçue et l'état actuel du projet. Donc, je veux que tout le monde applaudisse pour morte. Merci à tous, merci. Alors, avant de commencer, je voudrais déjà m'excuser parce que j'ai un rhume, donc je vais peut-être tousser un petit peu. Désolé. Alors, ce que je veux faire déjà, c'est parler du projet Databox, qui a été fondé par un labo de recherche à l'université de Cambridge et avec d'autres partenaires comme l'université de Nottingham, et je vais en parler un peu plus tard. Alors, pour parler un petit peu de ce que c'est le projet, je pense que je n'ai pas tant besoin de détails ici, mais on va quand même faire une présentation. Donc, on vit dans le monde du big data. C'est tout autour de nous, dans l'environnement, sur ce qu'on fait, nos petites habitudes. Ça envahit nos maisons et toutes les données sont collectées en permanence. Il y a beaucoup d'opportunités et de challenges grâce à ça. Il y a beaucoup de personnalisation, d'optimisation de la vie. Plein de choses qu'on peut faire pour aider à ce que notre maison soit meilleure pour l'environnement. Et il y a plein de choses qui nous apportent des bénéfices. Mais il y a aussi des petits problèmes, par exemple avec la vie privée. Et on n'est pas toujours sûr de ce qui se passe avec nos données. Je vous ai prévenu que j'allais tousser. Alors, la nature de ces collections, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que beaucoup de très, très grosses collections de données, souvent très intimes, sont gardées silencieusement. Ce qu'on peut voir ici sur la gauche, c'est les objets qu'on peut voir, les réseaux sociaux, les objets, Nest, par exemple, qui va garder des données. Mais c'est de plus en plus personnel, par exemple, des appareils médicaux qui vont récupérer des informations beaucoup plus personnelles. Et c'est des données qui sont très, très intimes qui vont être collectées. Donc, les challenges qu'on s'est posés quand on a commencé ce projet, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que les personnes concernées puissent contrôler les données, et les données qui sont les leurs ou les données qui sont à propos d'eux. Et on n'a pas forcément de contrôle sur ces données. Donc comment on fait pour donner le contrôle à ces personnes concernées? Ça se passe dans un écosystème existant qui dit qu'on va déplacer les données, même si on commence les données, on sait qu'elles vont déjà être dans le cloud. Donc par exemple, on les poste sur Facebook, ça c'est pas surprenant, mais il y a aussi des données dont on ne s'attend pas forcément qu'elles les ont. Par exemple, l'Internet des objets. Donc on s'imagine que les Internet des objets, il y a certaines données qui vont rester dans nos mains, qui vont rester sur l'objet, mais en fait, pas forcément. En fait, des fois, elles sont uploadées sur le cloud et ça se retrouve sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre et plus uniquement sur nous. Donc c'est un problème structurel, en fait, de la façon dont on construit nos produits. Internet, c'est très fragmenté. C'est difficile de faire des systèmes distribués qui sont efficaces sur Internet. Et en fait, avec le cloud, ça nous permet de centraliser toutes ces choses-là. Donc ça se permet de, en fait, mettre nos données sur l'ordinateur de quelqu'un. Donc en fait, par défaut, on s'est mis à mettre nos données sur le cloud parce que c'est beaucoup plus facile, parce que les données sont centralisées. Donc le point de départ pour commencer à penser à ça, et c'est pour ça que j'ai commencé à rejoindre cette équipe de recherche à Nottingham, l'idée c'était qu'est-ce qu'on peut faire avec cette empreinte digitale qu'on a par personne. Et c'était un centre de gens qui étaient très disciplinés, c'était beaucoup de gens qui faisaient des maths, plein de bagages différents. Beaucoup de mes collègues disaient, si on peut faire
un programme magique qui pouvait récupérer le contexte des utilisateurs et qui pouvait faire plein d'interactions très intéressantes. Donc on a beaucoup discuté sur le sujet et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vraiment c'est le contexte d'un utilisateur? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux dire par connaître le contexte d'un utilisateur? Et c'est devenu clair que ce n'était pas très défini ce que c'était. Mais c'était toujours le cas qu'il y avait des données personnelles qui étaient utilisées, que ce soit pour les interactions, que ce soit pour tout ce qui concerne l'utilisateur. Donc la conclusion, ce que je me suis dit, c'était que comme je suis un peu paresseux en tant que data scientist, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc si tu me donnes du code qui va me dire quel est le contexte. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de créer une plateforme qui va définir ce contexte-là. Et je vais, en fait, pour ceux qui sont paresseux, ça va le faire pour eux. Et c'est grâce à ça qu'on a créé DataWare. Et donc, l'idée, c'était que c'était un programme qui va faire du traitement de données, qui va prendre les données d'un sujet et qui va les donner sur une plateforme. Et il va faire du traitement de ces données et les rendre à cet utilisateur, mais traité. Donc plutôt que de mettre les données dans le cloud, c'était plutôt mettre les données et le code ensemble. Donc ça, c'était des images qu'on avait quand on a commencé DataWare. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez compliqué. Il y a des requêtes, du traitement des données. Il y a tout un mécanisme qui permet de faire du traitement. Ensuite, ça envoie le code pour qu'il soit exécuté, pour qu'ensuite les données soient envoyées. Et ensuite, ça renvoie les résultats au système de traitement. Donc ça, c'était plus ou moins DataWare, notre projet. Mais quand on a commencé et qu'on a essayé de créer ce projet et comment on pouvait l'utiliser, c'est devenu très clair que ça allait être assez compliqué si on veut gérer plusieurs systèmes différents. Quelque chose d'évident, c'était que les gens vont peut-être devoir payer pour utiliser ce système. Il y a peut-être il y a des moments où ce serait logique, il y a des moments où ce ne serait pas forcément logique de faire payer les gens pour ça. Par exemple, si c'est une famille, on n'a pas forcément envie de les faire payer pour utiliser des données qui leur appartiennent. Donc on n'est pas sûr de comment est-ce qu'on allait faire. Donc, par exemple, le paiement, on n'était pas vraiment sûr. Et aussi, comment on allait s'organiser et comment ça allait marcher. Donc, avec DataWare, on a décidé de juste donner quelques interactions et quelques transactions entre les différentes parties et réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait partager ces informations. Mais il y avait beaucoup d'idées qu'on avait. Donc, on a essayé de faire un pas en arrière et de réfléchir un petit peu plus à ce qui se passe dans ce système. Et on a décidé que l'interaction entre humains et données devait être changée. Je ne suis pas forcément la personne qui connaît le mieux, mais ce que je comprends, c'est qu'on veut étudier le plus possible la connexion entre les humains et les données, et on essaie de bouger ça pour plutôt quelque chose de plutôt que de soit centralisé, c'est plus de la collaboration entre des personnes. Et c'est pas forcément quel ordinateur c'est, mais plus quels humains l'utilisent. Donc essayez de prendre, d'aller plus loin avec ça. C'est plus vraiment juste l'interaction avec la donnée et l'ordinateur. C'est plus qu'est-ce que c'est la donnée et pourquoi elle est là et pourquoi est-ce qu'on l'utilise. Donc le modèle haut niveau, c'est qu'on collecte la donnée, bien sûr. Ensuite, on fait des analyses et on traite la donnée. Ensuite, on fait des conclusions sur ce traitement. Et ensuite, on fait des actions en fonction de ce résultat. Et ensuite, grâce à ça, on revient, on refait d'autres analyses. Ou alors, on prend des décisions et on change ce qu'on veut faire. Et on ne fait plus exactement la même chose. Et du coup, il y a un peu une espèce de boucle comme ça, de retour et de changement. Donc, c'est comme ça Donc en fait, il y a toutes ces computations qui se passent entre les données et les humains dans notre programme. Il y a un petit problème par contre, c'est que ça manque quelque chose. Ça manque quelque chose sur notre programme. Donc on va les lister ici. Déjà, c'était pas très clair, c'était pas très lisible. Déjà, on n'était pas sûr. Les gens n'étaient pas sûrs de d'où venaient les données et pourquoi elles étaient collectées. Et ensuite, les analyses qui étaient faites,
sur ces données et qu'est-ce que c'était les implications de ces analyses. Ce n'était pas forcément très clair. Les gens n'étaient pas forcément sûrs. Donc, les actions qu'on va faire dans le passé et le résultat en données, ce n'était pas forcément clair. Ce n'était pas facile à voir, ce n'était pas facile à comprendre ce qui se passait. La deuxième chose qui manquait, c'était l'agencement. Donc l'agencement, c'était plus comment est-ce qu'on réagit. Je sais que beaucoup de gens, et en tout cas moi, je n'étais pas au courant que il y a des raisons pour lesquelles les données qu'on récupère et la façon dont ça est collectionné, il y a des choses qu'on peut faire différemment. Mais ces données, du coup, ça peut avoir des impacts sur moi. C'est pas forcément clair comment ça m'affecte moi-même. Donc, par exemple, il y a les smart cities, par exemple, l'environnement. C'est pas forcément clair ce que je peux faire sur ces données qui ont été collectionnées sur moi. Et dans ces cas-là, même si je sais que ces choses existent, c'est difficile pour moi de les utiliser, c'est difficile pour moi d'en faire quelque chose avec ces données. Donc, en fait, on manque de choses qui nous permettent d'agir sur ces données. La troisième chose, c'est le manque de négociation. Donc, ça prend en compte la dynamique d'une interaction. Quand on prend une décision sur un système, c'est pas forcément notre décision pour toujours. Peut-être qu'on va changer d'avis. Peut-être qu'on va changer d'avis sur comment on réagit, interagit avec un programme. L'environnement peut changer, la vie peut changer. Donc, ces systèmes marchent toujours en binaire, c'est-à-dire oui, je veux, non, je veux pas. Et très souvent, on peut pas vraiment revenir en arrière et dire non, je veux plus ça, en fait. On voit de plus en plus des façons d'annuler des décisions qu'on a prises, mais c'est pas toujours très clair, c'est pas toujours très facile, en tout cas, surtout au moment où on s'inscrit et on donne ces données-là. Donc, ça me donnait l'idée de cette DataBox, qui est une DataWare version 2. On peut toujours bouger le code vers les données pour avoir plus de contrôle sur les données, puisque ça est lancé sur une matériel que vous contrôlez. Voilà. Donc, on essaie de faire plus attention à comment l'accès aux données va être géré. On a essayé de voir comment contrôler la communication et contrôler aussi toutes les entrées et sorties qui arrivent. En fait, j'en ai un peu rien à faire j'en ai rien à faire de ce que tu calcules sur ma boîte tant que tu ne vois pas les résultats. Donc, il n'y a rien qui s'est passé si tu n'as pas les résultats. C'est pareil, s'il y a un arbre qui tombe, sauf que dans la forêt, ça fait du bruit, juste pour les ordinateurs. Donc tout ce qui est communiqué de ce matériel vers l'extérieur, je peux le vérifier et je peux regarder ce qui s'est passé et pourquoi il y a eu un leak et comment ça a leaké et fixer la source, en fait. Donc c'est une espèce de détection de fraude. Donc Henry télécharge sa banque. Ensuite, il fait une grosse dépense en Thaïlande. Et donc, la box peut regarder t'étais où. Et Henry dit, la DataBox dit non. Et donc, on n'a pas de fraude du fait du refus de l'accession. Voilà. Donc, il y a eu. Donc, la banque ne sait pas où il est. C'est juste que la banque sait qu'il n'est pas en Thaïlande, ce qui est beaucoup plus petit et plus précis comme information. Donc, comment est-ce que c'est implémenté? Le modèle, c'est qu'on installe des apps, des applis. Donc, on utilise la métaphore des applis pour les smartphones. Les apps font travailler les données. On a des drivers, donc qui vont gérer les données. Et on décrit les données qui vont être utilisées par un apps, par un manifeste. Et on transforme ça en SLA, donc License Agreement, Service Level Agreement, qui est... Donc, vous avez une app qui a besoin de... à votre smartwatch.
Et donc, vous pouvez décider à quelles données. Smart Light, là, donc la lumière, donc il va pouvoir décider de si, il accède, si elle a accès aux lumières au premier étage ou au rez-de-chaussée. Voilà. Et donc, comme ça, on voit aussi, ça nous permet vraiment de, d'être très granulaire sur ce qu'on a le droit, enfin, ce qu'on veut partager ou pas. On utilise de la containerisation pour une autorisation de base, ce qui nous donne une interdépendance de la plateforme entre les différents composants aussi, et ça, ça simplifie aussi le management du système. La gestion du système d'une façon permet de tout gérer de façon homogène. Quand je parle de façon indépendante, c'est pas tout à fait super. On avait des rapports ou des utilisateurs qui disaient que les choses ne fonctionnent pas, et la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas, c'est parce que c'est en train de tourner sur Windows, parce qu'ils utilisaient Docker pour Windows, qui est tout nouveau, et on n'avait pas vu, on ne savait pas que c'était la raison pour laquelle les applications n'étaient pas en train de fonctionner, puisqu'on a tout testé avec des environnements Unix. Et ils réussissaient à tout lancer, mais en fait les scripts de lancement ne fonctionnaient pas. Donc il y a un driver app, il y a l'arbitre, il y a différentes boîtes. Donc le manager de conteneurs manage les conteneurs, bizarrement, surtout le cycle de vie. Donc lancer ce qui est lancé en premier, ensuite et après. Et donc c'est celui qui lance tout. L'arbitre, c'est le conteneur qui génère les tokens pour les jetons d'accès. Et il y a un macaron. Non, pas le biscuit. Donc c'est un macaron. C'est un cookie, c'est un meilleur cookie, un meilleur gâteau. C'est ok. Donc c'est un jeton d'accès que tu peux déléguer. Donc les data stores, donc c'est pour la persistance des données. Donc on peut voir ce qui est enregistré par les différentes applications. On a aussi un middleware, donc pour la communication avec ces data stores. C'est basé sur 0MQ. Et on a un catalogue HyperCat pour la discoverabilité des données. Donc une application peut découvrir. Découvrir si elle a les données dont elle a besoin. Et sinon, au milieu, il y a le Network Core, donc qui gère les connexions réseau pour toutes les applications. Et on a hacké ça en donner une interface virtuelle pour chaque application. Et donc, en fait, il y a un réseau virtuel pour chaque application. En fait, qui va être connecté aux connexions manager, au connecteur de connexion et au data store. Donc, comme je l'ai dit, l'application, il y a un manifeste, donc c'est qui donne les métadonnées. Donc, est-ce que ça va avoir besoin comme accès, est-ce qu'il va y avoir besoin d'avoir des accès à distance ou pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur la boîte ou à l'extérieur de la boîte. La différence entre app et driver, c'est qu'un driver peut parler avec quelque chose qui est à l'extérieur de la data box. Donc ce processus d'installation, comme on disait, c'est on essaie d'installer une application. Ils disent oui, tu peux avoir accès à ces données, ces sources de données. Et du coup, on va avoir des jetons qui vont être générés, qui vont donner l'accès. Et les applications vont être connectées au réseau correct. Et les conteneurs sont tous lancés. Les tokens, donc les jetons qui ont été donnés, permettent l'accès aux différentes data stores dans le système, et donc pour prouver que ce système, que cette application a effectivement été autorisée pour accéder aux données. Donc on va avancer dans ce truc rapidement. Donc ça, c'est une description du middleware, donc qui est basée sur des protocoles standardisés. Donc OAP, lancé sur 0MQ, on a un back-end qui enregistre tout, et on a JSON text et des bases de données binaires. On a de la sécurité. On aimerait aussi plus tard distribuer ça sur plusieurs machines, donc avoir une communication distribuée entre différents data stores.
C'est la première version. C'était, ça a été fait en vitesse, en utilisant ultra vite. Et donc, pour gérer des données de capteurs relativement rapides. Voilà, donc c'était plus rapide. Donc, qu'est-ce que vous faites avec la DataBox? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Donc, les interactions qu'on va supporter, qu'on devrait être mieux, on peut faire des choses avec des données physiques que vous ne pouvez pas faire aussi facilement avec le cloud. Donc, c'est beaucoup plus facile d'y penser, en fait. On regarde et on voit quelle est la configuration. On voit les situations comme, par exemple, où on doit configurer ça pour que pouvoir accéder le compteur électrique. Et ça fonctionne que si la clé verte a été insérée et que si mon partenaire va aussi brancher dessus, comme ça tout le monde est d'accord. Ou alors, si c'est à côté de la maison ou pas, de façon, ça permet de mieux contrôler l'accès aux données. Donc c'est aussi bien associable à l'accès physique aux données, enfin l'accès physique à la boîte. Donc c'est pratique pour les métaphores. Un des membres du team a construit quelque chose, c'est plus ou moins Node-RED des IBM, qui permet de construire des applications en faisant du drag and drop de différentes opérations et des sources de données. Et donc ça prend ce que vous avez fait et le produisez et ça va faire un conteneur et hop là, pend dans l'App Store. Et donc c'est relativement facile de créer des applications comme ça. Voilà. On a aussi de la visualisation des données. Donc, vous prenez une image SVG et puis en faire des composants. Et ensuite, vous pouvez faire des transformés. Comme ça, ça va animer pour les données. Donc, les premières démonstrations avaient, par exemple, une image d'un... Lorsqu'il y avait un tweet, et donc la première version c'était avec un président, et en fait à chaque fois qu'il y avait un tweet qui venait, le visage s'animait. Donc ça permet de rendre les données plus lisibles en ayant de meilleures visualisations. Ça, c'est un petit morceau de travail que j'ai dû voler, mais c'est un de mes étudiants en thèse qui a fait de la génération de risques. Donc, comme vous voulez voir, quand on a des périphériques comme ça, on peut voir qu'il y a des nombres qui sont lus, que ce soit la température, que ce soit plein de données différentes. Est-ce que c'est possible de prendre ces données dans le temps et de les traiter comme des données de temps, sans vraiment se poser la question de ce que c'est derrière, d'où vient ce nombre. Donc, toutes ces données statistiques, on voudrait voir s'il y a des corrélations avec, pour voir s'il y a des risques à donner l'accès à ces informations de contexte. Est-ce que c'est possible de se dire, pour cette appli qui a accès à cette donnée un petit peu trop souvent, est-ce que c'est logique qu'elle y ait accès? Par exemple, si on voit ça deux fois par mois, je pense que ça va, mais après ça dépend, il faut voir combien selon la donnée. Donc on pourrait construire des choses comme ça, et les résultats qu'on a eus jusque-là n'étaient pas trop mal. Donc c'est bien de mettre ces résultats ensemble et de se dire, est-ce que cette appli est bien, est-ce que cette application A est bien, cette application B est bien ou pas. Donc ensuite, quand on met ces applications entre elles, bah, du coup ça peut révéler des informations dont on ne se douterait pas. Quelque chose d'autre qui a popé immédiatement quand on a passé cette idée avec de ces boîtes de données, c'est que c'est difficile d'utiliser de la big data de manière traditionnelle quand on met tout dans le cloud. Donc, on y a pensé différemment et on s'est dit on devrait faire du small data au lieu du big data. Donc, on devrait peut-être faire de la computation en avance au lieu de le faire après. On n'a pas besoin de créer ces espèces d'énormes masses de données. Doit avoir des données sur tout le monde, partout. Peut-être que ce serait mieux de minimaliser le traitement de ces données et de les garder en privé et de les agréger de manière personnelle avant de les envoyer sur ce cloud. On avait plusieurs buts avec ce projet. L'un d'eux, c'était évidemment d'entraîner des modèles
avec des petits échantillons et d'utiliser ces données et d'en faire quelque chose. Et ensuite, une fois qu'ils étaient prêts à entraîner, de les envoyer à plein d'endroits. Et ensuite, dans ces data box individuelles, redéfinir ces données et de les personnaliser selon les utilisateurs pour que ça corresponde à ce qu'ils veulent. Donc en fait, ça nous permettait d'aller plus loin rapidement parce que ces modèles étaient très précis. Donc comment est-ce qu'on fait quand on fait du machine learning, par exemple, en utilisant ces analyses, ces données, à la grande échelle? Donc si on a, par exemple, une data box pour un pays entier. Donc comment est-ce qu'on fait si on a une aussi grande échelle au travers de tout un pays? Donc, je vais vous présenter du coup un projet qui est le plus gros qu'on a créé avec Databox. Ça a été fait avec BBC. C'était une collaboration dont on a parlé sur un article de blog. L'idée, c'était qu'on l'a appelé la BBC Box. Donc, l'idée, c'était qu'on prenait les données des personnes qui ne voulaient pas forcément avoir accès à ces données, qui ne voulaient pas forcément les partager. On les prenait sur la BBC, sur la BBC Box, à l'époque, où on prenait aussi sur des comptes Instagram, des comptes Spotify. Et on utilisait ces trois images. Et ils ne voulaient pas forcément que BBC n'ait accès. La BBC ne voulait pas forcément avoir accès à ces informations. Il n'y avait pas de raison de les garder. Mais du coup, ils voulaient les prendre, ces données, et les mettre dans la data box. Et du coup, la data box prenait les données et les traitait. Et ensuite, grâce à ça, faisait un système de recommandations. Et les recommandations avaient du sens pour telle personne, basée sur quelle est ton activité en ligne. Mais du coup, BBC n'avait pas accès directement à vos données. C'était la Databox qui avait accès à vos données. Il y avait d'autres applications qu'on a fait, qui ont utilisé plutôt une ancienne version de la Databox. Une d'entre elles, c'était une idée. On explorait l'idée de pouvoir actualiser ces informations. Donc, vous pouvez imaginer, par exemple, qu'il y a plusieurs personnes qui ont participé à cette étude. On assemblait, par exemple, un film d'horreur avec plein de petits morceaux. Mais l'idée, c'était que c'était la Databox qui faisait le film et qui renvoyait l'image. Et qui mettait de la lumière différente dans la maison parce que ça correspondait au film. Mais du coup, c'était BBC qui mettait le film, mais BBC n'était pas au courant de ce qui passait, Il ne contrôlait pas les données et ne contrôlait pas les lumières directement. C'était la data box qui la contrôlait. Donc l'idée, c'est de donner cet accès directement à la data box et de contrôler l'environnement, contrôler nos objets sans vraiment donner l'accès entier à un parti tierce. Donc voilà, ça c'est Databox, vous pouvez le voir, c'est la nouvelle version de Databox. Comment les interactions marchent, comment est-ce que ça marche mieux, comment cette interaction humain-données marche, ça marche mieux, mais c'est de plus en plus clair quand on avance dans ce projet que c'est bien, mais c'est pas encore assez. Il y a encore beaucoup de traitement qui se fait dans une boîte noire. On n'est pas forcément sûr de ce qui se passe, de où ça va. C'est pas forcément clair ce que c'est le statut de ces applications quand elles sont exécutées dans le système de Databox. On a toute cette audit qui est possible, qu'on peut récupérer les informations et on peut créer quelque chose pour vraiment savoir où ça va, les statuts des applications. Mais ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est pas assez riche, il n'y a pas assez de contenu. On a pas mal de mécanismes qui permettent de faire de l'audit, de faire des requêtes, et qui nous permettent de coordonner ce qui se passe dans la data box. Mais malheureusement, ça ne s'articule pas de la façon dont on veut. Je vais en parler plus tard. Dans la vraie vie, quand on partage des données, c'est conçu pour la personne qui reçoit les données. C'est basé sur le contexte de la personne qui va récupérer. Donc je vais parler à quelqu'un, par exemple, avec un collègue, je vais dire certaines choses que je ne vais pas forcément dire à ma femme. Ou à ma femme, je vais parler des choses que je ne vais pas forcément dire à mes collègues. Par exemple, où est-ce que je suis? Il faut vraiment qu'il y ait un contexte sur à qui je vais parler. Je ne vais pas forcément tout révéler à tout le monde. Et la façon dont on gère ça dans la data box, c'est un petit peu lent, il faut prendre le temps de le faire nous-mêmes. C'est pas super facile. C'est souvent quelque chose qu'on fait une fois et on peut pas forcément revenir dessus. Et la façon dont ces permissions sont données et contrôlées n'est pas forcément claire. J'ai parlé un petit peu d'articulation.
une citation sur un papier que j'avais lu qui était bien, mais du coup la façon dont on m'avait parlé, c'était pas forcément la plus claire pour tout le monde, mais c'est pour expliquer ces concepts. Mais en gros, l'exemple, c'était qu'on marche sur une rue qui est très... il y a beaucoup de monde. On veut aller quelque part. On a une destination où on veut aller. Mais en faisant ça, du coup, on doit faire beaucoup d'articulations. On doit faire en sorte de ne pas taper contre les gens, qu'on ne doit pas marcher sur la route et se faire taper par un bus. Donc cette coordination, au final, on compte sur les autres pour que tout le monde soit coordonné. Donc pour faire ce que nous on veut faire, c'est-à-dire aller à la destination, il faut que toutes ces choses-là se coordinent entre elles. Donc la Tata Box, en fait, ça marche comme ça, c'est de la coopération. Il y a beaucoup de contexte qui est pris en compte. Et nous, à l'heure actuelle, on ne fait pas assez pour que l'articulation marche, pour prendre en compte le contexte des autres et pour faire en sorte qu'on puisse avoir le résultat final qu'on attend. Le problème avec quand c'est conçu pour quelqu'un qui reçoit quelque chose, c'est que la donnée est en fait utilisée comme une limitation entre les autres. Et c'est un peu une vieille façon de faire les choses. C'est une relation qui est définie pour faire certaines choses qui ne sont pas forcément les mêmes. Donc, par exemple, une carte de crédit, c'est utilisé de façon différente, pas que pour payer, ça peut aussi être utilisé pour vérifier que c'est la bonne personne, ça peut être aussi utilisé pour confirmer un achat entre un magasin, entre la banque. Et donc il y a plein de parties différentes qui utilisent ce système. Et c'est clair que les données personnelles, rien n'est privé en fait. Au final, très souvent, il y a plein de contextes différents et plein d'autres parties qui ont un lien dessus. Et c'est pareil quand on voit ça comme des gens qui viennent chez nous au final. Dans notre maison, ils font partie de nos données et ils sont impliqués. Et ça implique plusieurs personnes. C'est pas que chez moi, c'est pas que ma maison. Il y a d'autres gens qui viennent. Et donc, même si je veux avoir contrôle sur ça, il faut quand même prendre en compte les autres choses. Ici, je voudrais que vous leviez la main si vous pensez que vos emails sont privés. Mais en fait, la plupart du temps, ces emails sont venus de quelqu'un d'autre. Donc, ça implique toujours d'autres personnes, au final. Donc, d'une certaine façon, ce qu'on essaye de faire avec DataBox, dès le début, en fait, notre idée était buggée, parce qu'on voulait contrôler des données, sauf que, comme les données sont par nature sociales, on ne peut pas les garder privées. Donc on va essayer de conclure un petit peu cette présentation. Il y a beaucoup de challenges qu'on a eus, que DataBox au final n'a pas réussi à résoudre. Au final, on a fait que toucher à la surface du gros problème. Les challenges qu'on a sur la discoverabilité des utilisateurs menés par les utilisateurs, c'est facile quand on collectionne des données et qu'on les met dans le cloud, parce qu'on sait ce qu'on a et puis c'est centralisé. Mais comment est-ce qu'on sait qui dans cette population a une DataBox? Qui sait qui a cette DataBox et qui peut avoir les informations dont on a besoin? Comment est-ce que l'utilisateur peut savoir quelle application l'utilisateur veut installer? Comment est-ce qu'on sait quelle application peut faire quoi pour cet utilisateur? Comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte que les utilisateurs installent les applications qu'ils veulent et qu'ils sont contents avec ces applications? Comment est-ce que vous faites ce processus de discoverabilité? C'est un nombre de mécanismes qu'on peut utiliser, donc les permissions par exemple, ou un système où on se note de manière sociale avec les gens. Donc on peut par exemple se mettre 5 étoiles à quelqu'un. Donc ça, c'est un moyen de se noter entre nous et c'est un moyen de découvrir les choses dont on a besoin. La clarité. La clarité, ça reste un problème, même s'il y a beaucoup de choses qu'on essaye de proposer. Il faut que ce soit facile de voir les données dans la DataBox. Mais c'est très difficile de voir l'impact que les autres ont sur ses propres données. Qu'est-ce qui va être révélé aux autres par rapport à ce que les autres ont déjà révélé en termes de données? Donc ça, c'est vrai pour les données qui existent, mais aussi pour les données
qui vont apparaître dans le futur. Ça, c'est une question qui revient toujours sur la discoverabilité, en fait, quand on essaie de découvrir ce que nous on a et ce que les autres ont. Ça, on a aussi des fois besoin de modifier des données. Peut-être qu'un jour, on a enregistré des données qui sont fausses et on va peut-être pouvoir revenir et les changer. Donc ça, c'est un peu un défaut aussi dans la façon dont on a conçu notre programme. C'est qu'on a délibérément décidé de ne pas laisser faire ça. Donc au final, c'est un peu un problème. On veut que les utilisateurs aient contrôle complet sur leurs données. Mais évidemment, il n'y a pas que l'utilisateur qui est impliqué. Peut-être que si on change à d'autres, peut-être qu'il y a d'autres dépendances qui peuvent avoir des problèmes, mais ça peut augmenter les risques. Et par exemple, si on change quelque chose, on peut avoir moins d'assurance sur ces données-là. Donc si par exemple, vous avez un Fitbit, et ça va vous donner des informations qui vont être envoyées à votre assurance. Donc si par exemple, tu mets ça sur ton chien, bah, du coup, ça va fausser les données. Parce que du coup, qui va leur permettre d'utiliser des choses de leur assurance dont ils n'avaient pas accès normalement en trichant. Donc au final, il y a un problème de confiance entre les deux parties. Les données, à l'heure actuelle, sont sociales. C'est comme ça. La plupart des données sont sociales. Et donc on veut pouvoir déléguer l'accès aux données et on veut aussi pouvoir enlever l'accès aux données. On veut savoir ce qui se passe sur les données, on veut savoir qui les modifie, avec qui elles sont partagées. On veut aussi pouvoir enlever ces permissions, on veut aussi pouvoir négocier. Si on a par exemple plusieurs databox dans une seule maison, ce serait bien si ma databox avait accès à quelque chose, à quelques objets, et ce serait bien qu'une autre databox ait aussi accès à ces objets. Pour avoir et ce serait bien de les partager pour qu'ils aient des métriques qui soient logiques. Et ce n'est pas forcément ce que nous on veut. C'est pour ça que ce serait mieux d'avoir un moyen de négocier et de décider quelque chose de clair. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de mécanisme pour supporter cette espèce d'interaction sociale entre les données. On a besoin de voir ce qu'on peut faire pour essayer de comprendre quand on révèle ces données, qu'est-ce qu'ils vont faire avec. Une fois qu'on a donné ces données, qu'on les a révélées, qu'est-ce qui va se passer avec? Et je pense que dans une perspective technologique, ce qui va être le plus important, ça va être de donner les données. Le partage des données. Donc, partager des données, on veut aussi avoir des choses hors ligne, pas forcément colocalisées avec la databox. Donc, on va avoir un système de rendez-vous et service d'identité qui soit gérable et qui ne soit pas non plus, qui ne tape pas dans les données dans la vie privée de ses utilisateurs. On a eu un projet qui a été relativement long, qui était 18 mois. Sur le support des idées de partage de ces données, surtout pour des données qui sont de base partagées. Donc, tout ce qu'on a dû faire, c'était mettre le compte utilisateur dans la databox pour gérer l'accès aux données. Donc, comme ça, on pouvait dire, toi, tu peux dire ça, mais cet utilisateur a le droit de voir ceci, cet autre de voir cela. En fait, ce qui s'est passé, à mon avis, que ça devenait relativement complexe. Parce que, donc, qui est-ce qui gère ces comptes? Donc, avec les systèmes de base actuels, il n'y a pas de façon de... Il n'y a pas moyen de se passer d'un route, d'un utilisateur route, d'un utilisateur administratif. Donc c'est le cas aussi dans d'autres projets qu'on est en train de faire. Donc lorsque vous regardez vos données personnelles, c'est en fait, pour les données personnelles, c'est ce qui est plus important pour la plupart des gens, c'est pas que des impôts, c'est pour les parents, l'idée que vos parents voient vos données, c'est beaucoup plus effrayant que votre fournisseur d'accès, parce que bon, vous en avez un peu rien à faire quoi. Donc il y a une espèce de grosse différence là. Si vous introduisez des comptes, comment est-ce que vous les gérez et qui les gère et qui va savoir ce qui se passe? Donc on a essayé de gérer la chose de façon à avoir une databox pour une personne, ce qui ne résout pas le problème des données sociales. Et donc on a essayé de répliquer les données dans une
répliquer les données sur plusieurs data box. Mais du coup, ça a d'autres problèmes. Donc, on se retrouve avec une dévolution. Donc, en fait, on en fait quelque chose de social. Il suffit d'en parler avec les gens dans la maison avant de révéler des données vers l'extérieur. Voilà. Et donc, c'était deux challenges intéressants. Ce genre d'interaction et ce genre de besoin pour le système. Et donc, avec ça, j'ai fini. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup pour cette présentation. Si vous avez des questions, venez au micro, s'il vous plaît. Merci. Je me demandais comment est-ce que vous pensez que ça va s'agrandir en dehors du monde de l'éducation. Comment est-ce que vous pensez que ça va grandir en tant que modèle en dehors de la recherche? Juste, je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez qui doit se faire pour que ça arrive à une plus grande échelle. Donc, vous parliez de l'Estonie, je ne suis pas tout à fait sûr de comment ça marcherait dans cet exemple particulier. Alors, pour que ce soit adopté à grande échelle, il faudrait vraiment que tout soit complètement réimplémenté. Donc, ce serait moins un projet de recherche et plus un projet commercial. Un des plus gros challenges, c'est sur quelles applications ça doit être. Donc, il y avait plein d'intérêts de la part des entreprises qui font des Internet des objets. Le problème, c'est qu'on a toutes ces opportunités de collectionner toutes ces données, mais on n'est pas forcément sûr de qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données. Mais du coup, dans ce sens-là, c'est il n'y a pas forcément besoin de quelque chose comme ça. Au final, c'est jamais assez intéressant pour être utile, ce projet-là. Donc, avoir des vrais cas d'usage, d'utilisation, je pense que ça pourrait être bien et ça pourrait aider. Quelques-uns que j'en ai parlé, donc par exemple celui de la BBC ou celui de l'Université de York, ils ont commencé à être plus intéressés à ça. Donc, on peut voir qu'il y a quand même des cas d'utilisation qui arrivent, mais c'est quand même assez lent. Et on a du mal à les trouver. Et quelque chose d'autre dont on aurait besoin pour que ce soit adopté de manière plus globale, c'est la plateforme et permettre aux gens de développer beaucoup plus facilement dessus, si on réécrit tout. Parce que là, c'est des professionnels qui ont été engagés, et ça a marché parce qu'ils les ont engagés et ils l'ont fait. Mais pour d'autres entreprises, ce serait beaucoup plus difficile que d'autres services. L'idée qu'on ne peut pas accéder à toutes les données quand on en a besoin, qu'il faut tout le temps demander, quelles sont les permissions, qu'il faut demander à chaque fois. Pour la plupart des gens, c'est un concept complètement inconnu. Donc l'idée de donner ce paradigme, cette façon de penser, ça va prendre beaucoup de temps à faire adopter. More questions? Yeah, go ahead. Merci pour la présentation. Est-ce que vous diriez que, en fait, que vous vouliez développer, quand vous avez ça, est-ce que vous vouliez faire ça plutôt pour les IoT ou pour autre chose? Donc, ouais, en fait, ça a changé au fur et à mesure. On a commencé avec les médias sociaux, mais il y a les chats, les box, et en fait, on pensait plus les choses avec les données financières, avec les données des banques. Et au fur et à mesure que ça a évolué, IOC, ça a commencé devenir quelque chose. Et donc, j'ai un collègue qui travaillait déjà avec les IoT, donc c'est devenu plus intéressant pour nous. Et étant donné le contexte domestique, les IoT, bien sûr que c'est quelque chose qu'on va voir, l'Internet des choses. Donc, bien sûr, les données financières sont toujours très intéressantes. Les données de santé sont aussi médicales, sont aussi très importantes. Mais d'un certain côté, je ne pense pas que c'est super intéressant en termes des challenges. En fait, c'est plus ou moins les challenges en soi sont les mêmes. C'est
quelle que soit la source des données. On s'en est aperçu que c'était que le problème, c'est plus que les données sont inhéréremment inhéremment sociales. D'autres questions? Ok. Je voudrais que vous élaboriez, si vous pouvez, à d'autres niveaux. Donc, vous avez parlé de niveau dans une maison, par exemple, ou au niveau d'une personne. Donc, des niveaux, au final, je voudrais que vous parliez un petit peu de niveau de communauté, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses, par exemple, pour contrôler la température dans une, le salon? Est-ce qu'on pourrait faire ça? Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que d'autres gens dans une communauté qui viennent à la maison puissent aussi changer la température? Est-ce que ça, c'est quelque chose, vous pensez qu'il ne faut pas que ce soit le cas? Est-ce qu'on peut faire quelque chose où que ce soit tous les voisins? Si on a d'autres niveaux, voilà, sur un quartier, il y a d'autres questions qui se posent au final, selon la taille. Et donc j'aimerais que vous élaboriez un petit peu pour utiliser la data box dans ces cas-là. Donc ça, c'est un challenge qui est définitivement intéressant, et c'est la raison pour laquelle on voudrait partager ça un petit peu plus et agrandir ça. L'idée que, comme je le comprends en tout cas, c'est qu'on veut, par exemple, faire en sorte que les gens fassent un peu plus attention à l'environnement. Donc c'est une démographie, c'est des gens comme ça qui veulent utiliser ça. Et leur consommation, par exemple, c'est quelque chose qu'ils veulent penser. Donc ça marcherait, par exemple. Mais si on le fait à une échelle plus grande, par exemple, tout un pays, ça a beaucoup moins de sens de le faire. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le faire au niveau d'une maison, parce que du coup, c'est un modèle qui est assez standard et qu'on peut réutiliser et où on peut reproduire des modèles. Et c'est pour ça que avoir plusieurs databox en même temps peut être intéressante si on les a ensemble, plutôt que de les avoir dans une échelle très très grande. Et on a commencé à réfléchir à ça, et au niveau technique, on a utilisé Owl, qui est un moyen de traiter des données en OCaml. Donc, si vous allez voir sur OCaml.xyz, sur ce site, vous verrez plus d'informations sur le sujet. C'est en 18 mois, on a eu des centaines de milliers de lignes qui ont été écrites. C'est assez impressionnant. On n'est pas encore au point où on peut déployer ces idées, ou en tout cas pas à cette échelle. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup voir dans les prochaines années. Et surtout à Cambridge, par exemple. Je pense que ça pourrait être un bon début. On peut vraiment déployer ces idées là-bas et on pourrait vraiment voir comment ça se passe grâce à ces données qui sont un peu plus, à une échelle qui est un peu plus grande qu'une seule maison. Donc ça pourrait être intéressant au niveau domestique pour ça. Est-ce que vous pourriez détailler sur la confiance qui est faite aux applications? Et spécialement lorsqu'elles font des choses que vous ne voulez pas, donc demander des données auxquelles vous n'avez basé sur d'autres données sans vous le vouloir. Ça, c'est un des gros challenges qu'on n'a pas vraiment adressé. Si une application que vous installez demande à accéder à des données auxquelles vous n'avez pas donné permission, elle ne peut pas travailler. Elle ne peut pas pouvoir les accéder. Mais si une application a accès à certaines données et travaille sur ces données et les résultats vont quelque part, vers la centrale, et ajoute d'autres sources que vous ne connaissez pas, ça, on ne peut rien y faire. Ça, c'est un gros challenge. Lorsque les données que vous pensiez sont OK à partager ne le sont en fait pas. Ça, c'est un autre problème. Une autre question. Quand plusieurs applications essayent d'accéder à la même donnée, est-ce qu'il y a un standard que vous utilisez, par exemple, le standard sémantique? Donc, par exemple, le standard du web, par exemple, est-ce que vous avez quelque chose de similaire pour les données? Alors, pas vraiment, on n'a pas vraiment essayé de standardiser toutes ces choses-là. À l'heure actuelle, les applications juste savent comment sont les données, et donc ces applications savent chaque donnée comment elles sont. Donc chaque application partage à ses propres accès que ses propres données, c'est ça? Alors non, pas forcément. Les applications doivent suivre des specs, du coup. Donc comment est-ce que vous savez si ces applications, donc par exemple le Solid Project, là c'est un autre projet cloud,
Est-ce que c'est, comment ils savent, par exemple, dans ces cas-là? Alors, de ce que je comprends de ces projets-là, ils se concentrent surtout sur la plateforme et le contrôle dans la plateforme. Et ce n'est pas vraiment forcément ce que contrôler l'application, ce que l'application fait en termes de traitement sur les données. Donc je pense que ce n'est pas vraiment exactement la même chose. Je pense que Solid a bougé sur un autre truc. Et à l'heure actuelle, c'était juste parcourir les données. Mais là, c'est plus vraiment la même chose. Donc c'est plus vraiment la même chose sur les périphériques de données. La dernière fois que j'ai regardé, c'était assez unique la façon dont ils géraient leurs données. Donc au final, on fait des choses assez différemment. Donc par exemple, eux, ils avaient qu'un seul périphérique qui utilisait qu'un seul objet. Et en fait, ils utilisaient tout ça sur un seul objet physique au lieu d'avoir des choses sur le cloud. Donc c'est pas exactement le même projet au final. Je suis curieux de savoir si vous avez des données à propos du problème de conscience, où est-ce que les gens sont conscients des problèmes impliqués. Donc non, j'en ai pas. On avait revu de la littérature prévue, tout ce qui a été des papiers à propos de la compréhension du public de leur vie privée, mais on n'a pas vraiment de statistiques dessus, sur la conscience que la population a de ce genre de STEM. Lorsque j'étais à Nottingham, on faisait sondages que la ville faisait tous les ans. Et si je me souviens bien, il y avait des questions dedans dont les réponses n'avaient pas de sens d'une façon technique. Est-ce que vous utilisez Internet? Et la plupart des gens disaient non, je n'utilise pas Internet. Une autre question était comment est-ce que vous parlez avec des amis? Et les mêmes gens qui n'utilisaient pas Internet disaient qu'ils utilisaient Facebook. Donc c'est un petit peu difficile pour les sondeurs de récupérer les données, en fait. À propos de la compréhension des données. Et certains de ces concepts sont relativement abstraits et beaucoup de choses sont très dynamiques et c'est très dynamique. Je peux te donner une question et je réponds d'une façon, et si la question est un petit peu formulée différemment, ça va donner un autre contexte et je vais te donner une autre réponse. Et donc, c'est les... Voilà. Donc, avec les influences... Thank you. So there are no more questions, I think. Plus de questions, merci. Je voudrais que tout le monde applaudisse, s'il vous plaît, pour Morte.